Moi, je suis en deuxième année de licence Humanité numérique au Mans. Donc du coup, ça veut dire que l'année prochaine, je partirai à Cologne pour poursuivre ce cursus-là. Humanité numérique me permet un peu d'augmenter les perspectives. On a d'autres filières qui sont présentes ici à l'Université du Mans et ce n'est pas exactement ce que moi je recherche. Et vraiment, Humanité numérique, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre de me diversifier plus dans les branches que je voulais. C'est-à-dire, moi, je serais plus intéressé par des métiers comme bibliothécaire. Et même, ça pourrait me permettre d'envisager ça, même à l'étranger, notamment en Allemagne. C'est vraiment quelque chose qui ouvre les horizons de plein de points de vue. Notamment, comme le nom l'indique, Humanité numérique, au niveau, on a eu des cours de traduction automatique, de base de données, et c'est des choses qui sont super intéressantes. On fait une expo en ligne, on a fait un site internet, et du coup, on a des bases de choses qui ne sont pas particulièrement communes à des licences de langue. Et c'est vraiment quelque chose qui apporte en plus. L'avantage avec la licence d'allemand, c'est que on est beaucoup moins nombreux, ce qui fait qu'on a un avantage de proximité avec les professeurs qui nous permet vraiment de pouvoir rentrer davantage dans la langue. Alors que je pense que dans des classes d'anglais ou d'espagnol dans lesquelles ils sont 30, c'est pas forcément quelque chose qui est facile, quoi. Alors qu'ici, on a vraiment cette proximité et c'est un avantage non négligeable quand on est dans l'apprentissage de la langue, qui est quelque chose qui vraiment nécessite beaucoup de travail et beaucoup d'attention. On a des professeurs qui sont très intéressés dans ce qu'ils font, on a des professeurs qui sont très intéressants, et du coup c'est vraiment quelque chose qui est un énorme plus, quoi.